Buonasera, bonsoir. On vous accueille chaleureusement pour votre film. Vous le voyez, parlez en italien ou en français? Non, on peut parler français. Parfait. Oui. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Et très bien, excusez-moi que je ne suis pas là. Et je ne suis pas chez vous à Paris, mais c'était impossible. Je suis ici à la maison parce que je dois travailler. Ah, ok. Finalement, vous voyez que vous étiez parti au Mexique. Donc, vous êtes en Italie, alors. Oui, je suis ici dans les Pouilles, chez nous, dans le Salento, parce que le film était tourné à... ici, dans mon village. Et peut-être que je peux vous présenter ma femme et la fille de ma femme, qui sont Adele et Ina. Volontiers, merci beaucoup. Je disais Je ne vous entends pas très bien, alors vous devez parler très lentement. Et... Ok. Je disais en présentation du film... Oui. Que vous aviez tourné énormément de films d'El Salento, que vous étiez Pugliese, oui. Et que vous aviez, dans un entretien, dans une interview, dit que c'était une fiction, mais qu'en même temps, c'était une histoire vraie. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine du projet, du film? Vous m'avez demandé, c'était une fiction en même temps à un documentaire, quelque chose comme ça. Vous non, avez dit. Vous avez... C'était un tratto dalla storia con il suo cugino. Non, parce que c'est pas très clair les sons. Non, c'est une. J'étais inspiré par la réalité, comme toujours. Je tourne toujours ici dans le Salento. Pas idéal comme ça, parce que ça arrive et moi j'habite ici, c'est plus facile et je suis intéressé à la réalité et à l'authenticité de la vie. Alors je m'inspire à les gens vrais et dans ce cas-là, j'étais inspiré par la vie de ma femme. Qui est Adele. Et je voulais montrer comment les femmes réagissent à la crise. Et des femmes d'une même famille, trois générations différentes, et comme les femmes sont plus, dans ce cas-là, plus fort et plus réagissent mieux à une crise économique. C'est ça l'inspiration du film. Je ne sais pas si c'était ça la question, mais je parle comme ça. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ah, oui, parce que je vous entends boum comme ça. Mais oui, peut-être essayez une autre fois. Et là, c'est mieux? Oui, mieux, beaucoup mieux. Ah ben voilà, donc c'est mieux sans micro. Beaucoup mieux. Et on pourrait, les femmes, on a compris, donc elles ont le rôle principal. Elles créent une communauté, une micro-société. Et ce retour à l'origine s'est traduit également dans votre film par les conditions de fabrication du film. Oui, oui, oui. Les conditions de la fabrication du film sont un petit peu débrouillards, on peut dire comme ça en français, parce que c'est un film qui ça coûtait très peu, ça coûtait 450 000 euros,
L'argent venait de la région Puy. Et on a payé les gens un petit peu, mais on a payé par exemple tous les comparses, les extras, les figurants, et les maisons où on a tourné, les voitures du set, avec des choses, parce que on a beaucoup d'entrepreneurs des Puy m'ont donné du vin, un dentiste m'a donné 15 000 euros, et pas en argent, mais avec des buoni dentales, par exemple, nettoyage des dents, quelque chose comme ça. Alors, on a utilisé ça. On s'est débrouillé un petit peu, comme ça. C'est ce que l'on retrouve dans le désir de ces personnes, de ces femmes, de faire surface par rapport à ce que la réalité économique et la mondialisation provoquent. Comment vous, dans votre cinéma, vous pensez, vous l'écrivez, cette mondialisation, et comment elle est ressentie au niveau de la mise en scène? Ok. Alors, moi j'ai fait ce film à la guerre comme à la guerre, comme vous disiez en français. Et moi, j'aime pas écrire des films à thème. J'ai une idéologie, j'ai une idée politique, mais surtout je veux écrire une histoire avec des personnages. Mais pour moi, c'est très important l'aspect moral. Alors, je pense que c'est très important de redécouvrir le sens des communautés, les vraies valeurs, disons, de la vie, qui sont le sens des communautés, le sens des relations entre êtres humains. Et je pense que c'est vrai que cette famille perd la maison, la petite fabrique, mais grâce à ça, il déteste la campagne au début, parce que c'est pas facile, c'est pas sont pas des bourgeois de Rome ou de Milan qui vont Chianti ou nell'Oltre Po Pavese pour la campagne, c'est beau, c'est ça, la Provence, mais peu à peu il découvre qu'est-ce que c'est le valeur, pas seulement économique, mais identitaire, spirituelle de la terre. Et c'est pour ça que j'ai décrit des femmes, parce que les femmes sont féminines. C'est normal, ça. Je dis bêtise. Excusez-moi. Mais la terre est féminine. Et nous sommes tous en origine des paysans, en origine, peut-être quelqu'un sont des paysans, étaient des paysans il y a des siècles, mais la terre c'est important. L'origine, la culture populaire est assez proche. Et je voulais tourner un film et c'était la chose plus proche à nous. Et ma femme est d'origine paysanne. C'est ça. Vous voulez connaître ma femme et ma... Ina, attendez. Et Laura. Laura, excusez-moi, j'écris. Laura, je laisse. Di venire a Laura. C'è un pubblico francese che vuole conoscere. No, perché ve l'ho visto. No, sa se ma fima la petite. Buonasera. Ciao. Ciao, buonasera. Ciao. Papa Conse. Celeste? Ah, e voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ciao. Je suis dans le paradis parce que c'est Celeste, Arcangela, Archange, et Laura. Laura était
la femme qui a inspiré Dante Alighieri, bisogna. La mamma. No, è francese questo. Francesco. Ok. Questi signori sono tutti francesi. No, scusami, io parlo con sa. Nemmeno un inglese, nemmeno un. No. Okay. Ils sont tous français, pas des anglais, pas des allemands. Non, vous êtes tous français. Hanno già visto il film. E ils ont vu le film e maintenant on fait la discussione. Facciamo la discussione. Okay. Si vous voulez faire poser des questions à Laura ou à Céleste, je peux traduire. Ah, ok. Vous avez des questions déjà, vous, public. Il faut venir ici, hein, faut se déplacer ce soir. Si, era difficile lavorare con il suo marito, il suo padre. Era difficile lavorare con mio. No, praticamente io non ho lavorato con altri, mai con altri registi, e se non fosse stato tu fossi se mio marito, non avrei fatto questo film. No, c'était pas facile, difficile, parce que en fait c'est mon premier film. Non, c'était assez. No, era piuttosto stimolante, perché spesso potevo cambiare. Il copione delle parole. C'était assez stimulant parce que on discutait beaucoup sur les plateaux et quelquefois j'ai changé les dialogues, j'ai donné mes avis. Le scénario et l'écriture ont été modifiés justement en fonction de cette complicité entre femme, enfant et vous-même. Oui, beaucoup, parce qu'on a écrit le scénario sur les personnages vrais, sur ma femme, on était inspiré par elle et par la relation entre Laura et Céleste. J'ai fait des confusions entre les vrais et les fictions. Arcangelo, excusez-moi. Et sur les plateaux, on a changé, on a discuté beaucoup, oui. Bah moi, je le fais toujours parce que j'ai travaillé beaucoup avec des comédiens qui ne sont pas professionnels. Oui, ça, j'ai précisé qu'il y avait beaucoup de comédiens amateurs. Oui. Il y a une spectatrice qui va vous poser une question. Très bien. Alors, vous avez parlé d'authenticité. Oui. Votre film est sans l'authenticité vraiment beaucoup, d'autant plus que vous avez des décors absolument fabuleux, puisque les bombes c'est très très beau et que ça se voit, que vous avez des actrices qui sont aussi merveilleuses. Alors, il y a dans leur attitude dont vous avez parlé beaucoup de chrétienté. Une attitude qui est très chrétienne, et j'ai remarqué que vous avez même parfois une attitude christique, un peu sacrificielle, et j'ai remarqué que vous avez aussi une dédicace dans le générique de fin à la Madonna di Lucca. Je voulais vous demander je sais que les fouilles sont très religieuses, que la religion est présente vraiment partout. Dans quelle mesure avez-vous assumé cette attitude chrétienne? Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'est pour les besoins du film que vous avez installé la religion à cette place? D'autant plus que vous avez mis un titre qui est un appel à la religion. Alors, c'est un mélange, parce que je commence par la fin. In grazia di Dio. C'est un titre religieux, mais c'est vrai aussi que c'est une phrase qu'on utilise beaucoup au niveau quotidien. On demande comment ça va? Sto in grazia di Dio. Et aussi pour dire va-t'en, lâche-moi in grazia di Dio. Laisse-moi en paix. Lâche-moi in grazia di Dio. Mais c'est vrai que moi je suis laïque, mais je contemple la dimension spirituelle, naturellement.
et autour de moi, la réalité est très religieuse. Ou est très religieux, ou déteste la religion, mais plutôt est religieux. Le village sont quand même, ici, on n'a pas la maison du peuple, on n'a pas, il y a l'église, et surtout la grand-mère salvatrice, elle est quelqu'un qui a confiance en Dieu. Mais au contraire, Adèle, elle ne sait pas si la Vierge peut l'aider. Mais c'est vrai que dans la campagne ici, les gens sont très religieux. Et je voulais un petit peu décrire ça. Et moi, je suis chrétien. Je suis un petit peu chrétien, un petit peu crétin. Mais j'ai... C'est important la demi-jeu. En fait, pour moi, c'est une possibilité de voir des choses qui n'existent pas peut-être, mais il me donne une peut-être une vision poétique peut-être. Quelquefois avec un petit peu d'arrogance, je dis je vois les choses qui existent et je vois les choses qui n'existent pas. Rien. D'autres réactions ? On comprend que dans le film, vous citez également Kierkegaard par rapport à cette dimension religieuse. Et ce qu'on comprend de la religion, c'est l'esprit de communauté. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, face à ce qui se passe, face à l'abandon de l'État, face à plein de situations difficiles, que finalement le spirituel, ce qui reste de spirituel, et comment l'enracinement dans une tradition religieuse permet à une communauté de se retrouver et d'envisager un avenir et un futur. Le dernier plan final et le travelling arrière est quelque chose qu'on peut percevoir comme un message d'espoir. Oui. Oui, mais alors à propos de la religion, c'est vrai que la religion. Dovete aprire la porte, scusate. La religion, c'est un petit peu comme un colon. Il tient les gens ensemble parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres. Mais c'est important. Mais le dernier plan avec les travelines en arrière, c'était inspiré par une déposition de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que vous dites, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est un désespoir. C'est un petit peu vrai, parce que c'est vrai que les quatre femmes, je ne veux pas expliquer trop, mais maintenant je le fais. C'est vrai que les quatre femmes, ils se sont retrouvées, mais c'est vrai aussi qu'ils habitent dans une petite maison, c'est même pas une maison, avec le vent, la vie n'est pas difficile. C'est un petit peu comme, je ne sais pas comment on dit en français, « gone with the wind ». Demain, « today is another day ». Mais avec un petit peu une méfiance méditerranéenne. Vous l'entendez là ? Oui, 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 j'ai. D'accord, pardon. Le rapport à votre cinéma est souvent très tactile, très délicat, qu'il s'agisse des paysages comme des personnages. On avait passé il y a 2 ans, je crois maintenant, le documentaire que vous aviez fait sur l'école. En périphérie de Rome. Oui. Où nous l'avions diffusé ici. Et c'était un film également, je trouvais, très, très doux dans son approche de la complexité de la réalité. Et je trouve qu'il y a un lien entre ces films sur l'attention que vous portez avec précision et finesse sur la complexité d'un monde local et d'un monde beaucoup plus global.
Est-ce que c'est une préoccupation qui vous a toujours habité ou est-ce que c'est encore plus fort aujourd'hui? Moi, en fait, moi, je pense à les choses que je fais, mais je ne le comprends pas toujours. Moi, j'aime beaucoup les gens. Je suis intéressé. Je remercie Dieu et ma mère et mon père d'être dans sa vie. Et je suis ravi d'être dans des autres pays et je connais ou je peux connaître des autres gens. Je suis vraiment curieux et je pose des questions à tout le monde. Je casse le pied à toute ma famille. Pourquoi tu fais ça à le fils Andrea qui arrive maintenant? Comme vous parlez, il a 14 ans. Peut-être vous l'avez vu, il est entré maintenant. Et je pense que c'est ça. J'ai un grand amour pour les gens. Et quelquefois, à cause de mon amour, je les déteste. Et je veux mettre en scène ça. Et la complexité, ça arrive naturellement parce que les gens sont complexes. Les gens sont complexes et simples en même temps. C'est vrai que moi, je suis considéré en Italie surtout un metteur en scène très régional, mais je pense que en observant le microcosme, on peut décrire le macrocosme, excusez-moi. Et Tolstoï disait toujours, décrivez votre village et vous pouvez raconter du monde et au monde. Et je ne sais pas si je répondais bien à votre question, mais c'est un problème, pour moi c'est un fait d'amour, c'est ça. Simplement, c'est un mot banal, c'est un mot un petit peu trop utilisé, mais c'est ça. Je vais céder la parole à une spectatrice. Bonsoir. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé les femmes de votre film, mais j'ai vraiment admiré la maman, la mère, la mamie. La femme la plus âgée qui a un rôle de liaison en fait entre les quatre femmes et surtout qui a inventé même la générosité, la patience, la douceur. Et je me disais, est-ce que les femmes âgées en Italie arrivent à transmettre cette gentillesse, cette bienveillance aux femmes plus jeunes, donc notamment à sa fille, et est-ce que la fille est capable de le transmettre à sa propre fille? Est-ce qu'il y a une évolution ou c'est, voilà, la gentillesse va se transmettre de génération en génération, ce qui fait qu'on peut espérer plus d'optimisme sur la tolérance? Moi, je sais, l'Italie est un pays très long, il y a des grandes différences géographiques et sociales, mais ici encore, les femmes âgées, ils ont encore un rôle, surtout dans la famille de ma mère, de ma femme, excusez-moi, parce que Céleste a... ils sont sept, et la mère de Céleste, qui s'appelle Arcangela comme ma fille, était un petit peu comme ça. Elle était douce, forte, douce, religieuse, et dure aussi en même temps, mais elle était une femme, une vraie femme. C'est drôle parce qu'on dit toujours, chez nous en Italie, est un uomo, il est un homme. Mais moi, j'aimerais écouter, elle est une femme. Parce que, oui, elle est une femme, normalement en Italie, elle est une belle femme, mais elle est une femme. Elle est une femme, elle devrait avoir la même valeur que, lo dico in italiano, scusate, una donna dovrebbe avere lo stesso valore dire è un uomo. Vous comprenez? Est-ce que les jeunes sont capables maintenant d'avoir cette bienveillance, cette patience? Est-ce que c'est quelque chose de plus ancien ou on peut... C'est difficile aussi, parce que ici c'est un petit peu... Cette attention vers les gens âgés existe plus qu'à Rome, à Milan. Mais c'est difficile parce que
En fait, maintenant, comme partout dans les pays occidentaux, la transmission de savoirs, la transmission des cultures, ça ne passe pas entre les générations, mais à travers Internet et tout ça. Mais s'il y a une femme comme Salvatrice, je pense qu'elle est tellement forte, tellement douce, tellement belle, belle dame, qu'il touche tout le monde. Elle est vraiment comme ça, Salvatrice, parce qu'elle est une cuisinière, et son mari est Cosimo, ils sont un couple. Et c'est simple, il s'aime beaucoup, et sur le plateau aussi, Salvatrice, la femme qui jouait Salvatrice, disait toujours à Cosimo, tu dois faire ça, sois tranquille, parce qu'il était un petit peu, il avait beaucoup de soucis à cause du film. Et grâce à Salvatrice, j'ai réussi à diriger Cosimo. Rien. L'avenir si vous voulez. Allez-y, excusez-moi de t'avoir interrompu. Vous vouliez dire. En fait, l'espoir, c'est que ce soit les femmes qui prennent le relais des hommes. Et ça, je pense qu'il y a un écrivain français qui disait récemment les hommes, à part faire la guerre, ne savent plus faire grand-chose. Heureusement, il y a des cinéastes, des artistes comme vous. Et j'espère que le message, que la poésie de votre film, plutôt que le message, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de très poétique, résonne au-delà justement du territoire du Salento. Est-ce que le film a été sorti en Italie, sur le territoire national? Comment a-t-il été reçu et perçu? Il a marché assez bien, il est sorti en 23 copies et nous avons des chiffres qui ne sont pas les vôtres, parce que vous en France, vous aimez beaucoup le cinéma et vous allez beaucoup au cinéma, mais au rapport de la distribution italienne, il était assez bien, il a marché assez bien. Et chez nous, mais aussi à Turin, à Milan, et il va sortir en France. Ah, une excellente nouvelle. Bravo. Il y a une boîte de distribution française qu'il a achetée, et il va sortir en juin, juillet. Alors, c'est important que vous faites comment on dit, passe la parole, mot à mot, bouche à moi, non, bouche à moi. Non, ma femme dit, si vous avez aimé le film, naturellement. Bien sûr. Est-ce que vous avez toujours, est-ce que vous travaillez toujours avec des enfants, des adolescents autour du cinéma? Vous parliez de transmission. J'aime beaucoup travailler avec les enfants, mais en fait, j'aime travailler avec tout le monde, mais j'aime travailler avec les gens vrais, et c'est vrai aussi que j'ai fait ce genre de film, parce que c'est pas poétique de le dire, mais c'est moins cher, c'est ça, et c'est plus facile, parce qu'il n'y a pas des agences, et puis avec ma femme et Laura, je peux parler beaucoup, je peux essayer toutes les scènes beaucoup de temps. Et vous travaillez sur un nouveau projet? Je travaille sur une histoire qui se passe en Alto Adige, c'est sur le conflit entre les Italiens et les Sud-Tirola qui parlent allemand, parce qu'une région s'appelle Alto Adige Sud-Tirol. Des conflits entre les deux communautés. Et c'est un roman de Francesca Melandri, c'est une production
italien autrichien. Je pense qu'on vous remercie, Eduardo, on remercie Laura. Oh, merci à vous. Vous serez à Paris et dans nos salles peut-être. Ok. Ok, ciao, grazie. Ciao.